Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode d'Astronir. Donc, je ne sais pas trop si je me dirige vers le centre de la planète ou pas, il se pourrait que non. Après réflexion, il se pourrait que non. Pourquoi non? Simplement parce que je me déplace en diagonale et si j'avais voulu me diriger vers le centre, il aurait fallu que je me déplace directement vers, juste en dessous de moi quoi. Donc voilà, on verra bien ce qu'on va y trouver, cela dit. Il y aura bien un moment où je serai obligé de changer de système de gravité, je suppose. Oula, j'ai perdu le fil, comme on dit. Voilà. Enfin bon, on a trouvé du charbon, un petit peu de l'astronium. Astronium qui est en fait un matériau inutile pour le moment. Apparemment, en tout cas. À voir ce que ça vaut, à quel prix il est dédoublé. Par contre, il est excessivement rare. C'est un des matériaux les plus rares du jeu à l'heure actuelle. Par contre, je vais me retrouver à court. Du coup... Oh. Attendez. Pour citer Harry Potter dans... je crois que c'est le deuxième film qui n'arrête pas de dire « Attendez. 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 » Et au bout d'un moment, on en a ras-le-bol d'attendre, en fait, parce qu'il est... Ah. Je reçois des messages. C'est cool, ça. Ouh, j'ai cru qu'elle était paumée. Pas passé loin. Ça a fait quelque chose? Oh! Ça a marché! Ça a marché, mais ça a détruit le composant. Enfin, le matériau. Intéressant. Intéressant. Ok. Bon, je n'ai plus du tout de composite. On est d'accord. Ah, si, j'ai encore quelques... Ah. Ah non, c'est parce qu'en fait, ça les a... Non? Voilà, c'est bon. Bon bah non, ça passe, hein. Alors moi je continue, j'en ai encore 3, hein. Je vais aller un peu plus bas, hein. On va bien voir. Hein. Et après on va chronométrer le temps qu'on va mettre à remonter. Mais on n'a pas trouvé de caverne, c'est ça qui me choque le plus, moi personnellement. Hein. Bon, c'est plus qu'une. Hein. Un peu, puis on montera, c'est pas grave. On va jouer le jeu. Eh ben, dis donc. On trouve pas grand chose, hein, si je puis me permettre. C'est hallucinant. C'était pas prévu, surtout. Bon bah... On remonte. C'est parti. Alors, il est... 3h50, on va chronométrer la montée. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien en ce début d'année. Normalement, vous aurez repris les cours au moment où je mettrai cette vidéo en ligne. J'espère que j'aurai aussi vos retours vis-à-vis de l'épisode sur... enfin, de la vidéo... dont je vous ai parlé, j'aurais pas encore uploadé je pense, quoi qu'on verra, je ne sais pas. Il faudra simplement que j'ai le retour de mon meilleur ami avant ça minimum. Mais vu qu'il a des problèmes internet en ce moment, merci les tempêtes, c'est à délayer. Du coup bon, on verra ça tous ensemble, mais reste à voir, ça reste à voir. Je suis vraiment, j'espère vraiment que cette série, cette pseudo-série va marcher, parce que pour moi c'est une pseudo-série, enfin je joue, mais c'est raconté, c'est une histoire, vous verrez, c'est assez particulier. Je l'ai montré à certains membres de ma famille aussi, ça leur a bien plu. Donc à voir, vraiment à voir. Je sais pas, moi ça me plaît, ça permettra en fait de regrouper vraiment tout ce que j'ai laissé un gros message à la fin, vous verrez.
un gros message à la fin, ça m'arrêterait de regrouper en fait un petit peu tout ce que je voudrais faire avec la chaîne véritablement. C'est ça qui me... Ça m'était pas venu à l'esprit avant, c'est ça le pire, c'est que j'avais pas percuté à quel point ce jeu pourrait être le... Bon, malgré l'aspect, alors non seulement le jeu est payant, et en plus, il y a un système de mensualité à payer, mais c'est ça qui me fait le plus peur en fait vis-à-vis de ma chaîne, c'est que je sais que beaucoup d'entre vous sont jeunes, ne peuvent pas forcément s'offrir les jeux, et souvent les jeux qui ne peuvent pas s'offrir, bah, ne marchent pas. Mais bon, j'y crois, je veux y croire, parce que c'est vraiment un truc, en plus, voilà, il y a un système de parrainage que je veux mettre en place aussi vis-à-vis de ce jeu. Tout en ayant aussi un système de gratuit jusqu'au niveau 20, ce qui n'est pas rien. C'est mieux que rien, en fait, tout simplement. Donc, ouais, voilà, il y a quelque chose. Il y a moyen de faire quelque chose, selon moi. Et j'ai vraiment hâte de voir jusqu'où on peut aller sur ce jeu en faisant ça, tous ensemble. Ça peut être intéressant. Moi, ça me... Si vous n'avez pas idée à quel point ça me hype, plus j'y réfléchis, plus je me dis qu'il y a tellement de choses en rapport avec ce que je veux faire au niveau de la chaîne. Enfin bon, on en reparlera sur le jeu en question. On devrait pas tarder à arriver en haut. Est-ce que je monte avec un truc vendu? Pourquoi j'en monte que un par un? Parce que sinon je peux pas sprinter et à deux dans une cavité comme ça, ce sera juste impossible à faire. Voilà, on est bon. Et à tous les coups, il fait nuit. Et ouais. Génial, il fait nuit, trop cool, top moumoute. Le soleil se lève sur la planète de Marcus. Non, oui, non, 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 bon bah tant pis. On est à combien? Batterie moyenne 6000, on est à 6400, je prends, merci. Il me faudra donc du lithium, j'imagine. Allons voir, hein, mais je pense que c'est effectivement le cas. Qu'est-ce que fait le fil de ma souris sur mon clavier? What the fuck? Je vais juste... Attendez un instant. Voilà. Vive les notifications Windows. Hop. Voilà. Maintenant, on va aller s'enseigner sur le prix. Voilà, 2 lithium. J'en ai même pas un. Grognasse. Par contre... Ça reviendra au même. Ça reviendra au même. Je vais déposer le charbon. J'allais dire par contre, le charbon, ça pourrait être une super idée pour alimenter... de manière nocturne. Ah, j'avais encore des rallonges ici, je suis con. Puis j'ai pas vu combien de temps on a mis. Peut-être mis plus d'une minute, plus de 2 minutes, j'imagine. Mais enfin bon, c'est une autre histoire. Le pire, c'est que je suis déjà prêt à repartir en fait, quoi. Si je voulais, je serais prêt à repartir. Hein, c'est tentant. C'est tentant. C'est tentant. Je reconnais que c'est tentant. Pour le coup, là, je. Je me tarote. Mais bon, je pense qu'il y a plus intéressant à faire. Je pense à ça. Attendez. Peut-être moyen de d'éprouver encore une fois le... Donc ça je l'ai. Ça aussi. La capacité du jeu à être équilibré ou non. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends... Bon, sans octet, je les prends, hein. Désolé, hein, je vais pas m'embêter. Rover grand, ça pourrait être intéressant. C'est pas ce que je voulais faire. Donc à éprouver l'équilibrage du jeu, je vais y arriver. Donc voilà, là on a le treuil. Ça va être extrêmement important, ça va être même capital. Mais ce n'est pas ce que je cherche. Ce serait pas ici? Ce serait là? Chambre de recherche, bonbonne, extracteur de minerai, on y est. Voilà, non, ça c'est l'inhibiteur qui est un mode, ça c'est l'analyseur de terrain. Là, la plateforme d'échange à 4000 octets, 4000 octets à son tour aussi. Et oui, parce que si je décide de transformer, vous savez, mes matériaux de creusage, on va dire, là, quoi, tout ce que je peux choper dans mes bonbonnes, en matériaux ici, et que j'alimente ensuite une plateforme d'échange, j'aurai sans doute accès à bien plus de ressources de cette manière. Que je ne pourrais y arriver en faisant uniquement ça. Vu que je pourrais faire des échanges de ressources simples en fait. Ah, 4000, c'est excessivement cher. Mais ce serait efficace.
C'est ça le problème. Excessivement cher, mais excessivement efficace. Donnez l'échantillon restant 272 octets, c'est ridicule. C'est le vent. C'est le vent qui fait que. Ouais. Pas oublier de démarrer celui-ci. 1200 octets. C'est parti. Alors c'est quoi, c'est de la lumière, c'est du vent? Je crois que c'est que le vent. Ouais, ça c'est que le vent. C'est que le vent. Ouais. Alors je sais pas si je peux par exemple prendre le charbon et le mettre là-dessus. Apparemment non, hein, organique seulement. Ah, ça pourrait être intéressant pourtant, ça pourrait être excessivement intéressant. J'ai dit combien, 1002 ici? C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Voilà, là ça marche. À pleine balle. 2 minutes restantes. Ah, vous savez quoi, on va continuer à les creuser. Non, ça vaut pas le coup pour 2 minutes. C'est ça qui m'emmerde, c'est. Là j'ai 2 minutes restantes et ici j'ai. Mais merde, c'est pas ça que je vise. S'il te plaît, respecte-moi. 5 minutes. Mais non, mais. Vous avez vu? Hop, voilà, bon, c'est pas grave. Hop, ouais. Il y a des choses à faire. Et pourquoi on ne monterait pas sur la montagne? Voir un petit peu en altitude ce qu'on trouvera. Ça pourrait être intéressant. Visuellement, ça peut être cool aussi, visuellement. Allez, on est parti pour ça. On va se faire des petites choses un petit peu abstraites, si je puis dire, un petit peu inutiles. En tout cas, faites pour le gameplay, faites pour... pour le principe du jeu, tout simplement. Pour le jeu, pour le jouer. Hein. Pour le jouer. Hein. C'est ça, pour jouer au jeu, tout simplement, je veux dire. Dans le sens, jouer au jeu, quand je dis pour le jouer. Pour le jouer, jouer le jeu. Simplement. Bref, je me comprends. Laissez tomber, c'est pas grave. En tout cas, ce jeu est vraiment une perle. Alors, il faut savoir qu'il a été comptabilisé, il a une médaille de bronze au Steam Awards. Bon, alors ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a, peut-être, je sais pas combien, il doit y avoir 100 médailles de bronze, 10 médailles d'argent et 5 médailles d'or. Ce qui est complètement ridicule en termes de, voilà. Et sachant qu'en plus, dans les médailles d'or et les médailles de bronze, il y a peut-être à tout péter un... Les médailles d'argent, pardon. Il y a à tout péter un jeu indé par médaille, ce qui est, enfin, un petit jeu indé, je veux dire, hein, dans le sens pas cher. Donc. Elles m'ont pas manqué, les. Les tempêtes, par contre. Sérieux là, quand tu me balances que tu vas me faire une tempête juste au moment où je suis. Oh bah, abri de fortune. Enfin bon, oui, je pense qu'on va avoir, du boulot encore cette série. Le vrai problème, ça va être de continuer la série, de redémarrer la série à chaque mois quoi. Je vais avoir un mois pour faire une série, ce qui va faire à peu près environ 15 épisodes par saison. On passe sur la première malheureusement, enfin par série. Pas sur la première malheureusement, vu qu'il y aura eu Noël tout ça et qu'on est déjà le 4 et que voilà, il y a déjà une grosse partie du mois qui s'est enfui. Tu t'enfuis quand tu es dans ses bras, tu t'enfuis. Est-ce que tu rêves de moi, tu t'enfuis. Oh tiens, le hockey ne s'enfuit pas. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il n'y a rien de ce côté-là. Par contre, il y a de l'herbe là-haut, il y a toute une plateforme là, donc je vais peut-être y revenir. Je vais redescendre pour le moment. On va aller voir, ça doit faire un peu plus de 2 minutes. Le plus petit, c'est vraiment de faire de la recherche. Peut-être le seul souci, c'est que la recherche soit si compliquée au départ. 100 octets par 100 octets, vous voyez, c'est pas excessivement intéressant. Je pense qu'ils auraient dû automatiser, vous savez, genre mettre un bouton cycle. Pour ne pas avoir à revenir tout le temps à la base.
voyez, par exemple, là, c'est fini, malheureusement. On a 649 octets, c'est ridicule. C'est 5 minutes en pleine balle. Et là, il nous reste quoi? Je vois plus le pointeur. Là, 1 minute, vous voyez, c'est ridicule. Maintenant, qu'est-ce qu'on a chopé véritablement? En termes de quantité d'eau. On est à 1400, ce qui, comparé à ce qu'on avait au début, est assez impressionnant. Je vous rappelle qu'au début, on en chiait violemment pour réaliser tout ça. Mais vraiment, les 4000, je pense que ça va être vraiment l'option intéressante. Le seul vrai souci, ça va être est-ce que je vais avoir la quantité suffisante déjà pour tout ça, avec tout ce que j'ai là en termes d'objets de recherche. Ouais, 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 bon, bah tant pis. On va retourner sur la... là-haut, on va voir un petit peu ce qu'on a autour. Ça m'emmerde. Je suis pas parti par là une seule fois encore. Et j'ai déjà plus rien. Heureusement, j'avais refait moult composite. Hop, parfait. C'est parti. Allons-y. Et on est bon. On va partir dans cette direction, on va bien voir un petit peu ce qu'on va y trouver. Avec un peu de bol, un cadavre ou un truc comme ça. Ou même du lithium. Non, pas du tout. Ah, j'ai fait un pas de trop à tous les coups. Voilà, c'est ça. En tout cas, ce qui est génial, c'est que quand j'aurai le rover, je me ferai chier quelle que soit la direction dans laquelle je vais partir. Il y a des trous partout, des machins, des trucs, des bidules. Ah, mais merde. Comment toi, Marcus? Oh. En tout cas, oui, voilà, c'est ça. J'étais un peu proche là. Ah, a pu. Ouais, et bah y a rien aux alentours. C'est un truc de ouf. Y'a strictement rien. Oh, des pics. Alors, on a vu des vidéos où il y avait apparemment une faune encore plus active que la précédente. J'ai plus de batterie. Est-ce que j'ai quelque chose qui puisse me donner de l'énergie dans le coin? Non. Absolument rien. C'est une catastrophe. Je vois quelque chose là-bas. Ce sont des plantes, simplement des plantes? Simplement des plantes. Je crois qu'il y a eu un abonné. Et qu'un de mes modules a réagi. J'ai cru entendre... Ah ouais... Je sais pas vous. J'ai cru l'entendre. Mais y'a rien. C'est mort dans cette planète. C'est fou. Un truc de ouf gueudin. La résine, wouhou. Qu'est-ce que je vais me faire chier avec de la résine? De la résine. Est-ce que vous aussi vous voulez de la régine? Voilà, merci. Là j'ai ce qu'il faut. Allez, râlons. Crac. Boum. Hu. On est bon. Ça consomme, c'est bon. Y'a rien! Rien. Quel que soit dans la direction dans laquelle je vais, y'a rien. Cette planète est vide. Donne-moi mon composite. Je veux aller encore plus loin. Pour aller plus loin. Aller plus loin. Donc j'ai fait l'axe X en négatif. Dans le précédent épisode. Là je suis en train de faire l'axe Y. Je trouve rien non plus. Donc, il n'y a plus que je perde mes rallonges. Non, mais comment? La distance de rallonge.
Oh, on change de biome devant. Oh mon dieu. Celui-là est tout aussi vide. Oh la vache. C'est incroyable. C'est absolument incroyable. Ah, j'ai plus. J'ai plus de rallonge. On va refaire, hein. C'est quoi, on va même refaire un paquet, voilà. Ah, je vais essayer de garder un cap. J'essaie de garder un cap, c'est pas grave. Se lève à l'est. Tiens, on va partir directement vers l'est. Hop, comme ça on est sûr d'avoir le soleil le plus tôt possible. Parce que se lève à l'est et se couche à l'ouest. Ah, mais merde. Mon meilleur ami, s'il voit ces vidéos, il doit se marrer parce que, mais merde, c'est vraiment le truc que j'utilise tout le temps. Après, je dis que je rage pas dans ce jeu, mais c'est pas de la rage, c'est de l'agacement. Pas pareil. Toujours rien. Et toi, j'ai bientôt arrivé à ma base en fait. On s'en rend pas compte, mais. C'est ce qui va arriver tôt ou tard. Je vais être revenu à ma base. Et je cours. C'est les épisodes les plus intéressants que vous n'ayez jamais vus. Allez, admettez, c'est le cas. Ah. Et putain, pourquoi le soleil se lève à l'ouest? Je me sens un peu floué là pour le coup. Tiens, reste là-dedans toi. Voilà. Non, honnêtement, hein, je me... Ok. Pourquoi pas? On va refaire, on va bourrer le truc jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose. C'est quand même pas possible de rien trouver, quoi. J'en fais 3. Je m'avance, hein. Ah, comme à chaque fois que je m'arrête. Une grotte. Ah. De toute façon, il suffit de suivre le fil. Ah. Ok. Voilà. Hop. Y'a rien. Si, y'a un truc là-bas. Là-bas, y'a un truc. On a enfin trouvé quelque chose. Je sais même pas ce que c'est. T'es même pas agressif? Qu'est-ce que t'es? Tu es un élément de décor, tout ce qu'il y a de plus pauvre. Bah écoute, bonne nuit à toi, retourne dans ton pays. Le pays du je sers à rien. C'est la catastrophe. Bon bah. Continue dans le pays du rien. Hein. Donc quand je creuse, je trouve rien. Quand je cours, je trouve rien. Je me demande encore ce que je dois faire. J'ai rien trouvé, quoi. On est à 24 minutes. Je n'ai rien fait. Wouah ! Catastrophe ! Là, il y en a un deuxième là-bas. D'ailleurs, je sais même pas si je suis encore parti dans la bonne direction. Ah ! J'en ai plus.
Si, j'en avais encore là. Merde. Bon, bon, bon. Bah écoutez. Il a un truc dedans, lui. Est-ce que tu crois vraiment que je vais te ramener? Au point où j'en suis, tu crois vraiment que je vais te ramener? Wouah! Alors, je crois qu'on est passé à l'objectif faire le tour de la planète, là, chers amis. Hein. Vu que j'ai... Oh, alléluia. C'est là que je retrouve des restes d'un passage de Marcus. Autrement dit, j'ai déjà fouillé l'endroit. Non, mais l'endroit est vide. Wouhou! Tu m'as trouvé de l'organique, quoi. L'organique ta maman. Bon bah... Hop les gars... Non 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 non, c'est dans le sens, dégage. Voilà, merci. Non bah non, même pas de découverte cruciale. Ok, je me casse. Ici il y a un immense rien du tout. Au milieu de rien du tout. Entouré de rien du tout. Si ça, c'est pas la joie. Bon. Bah... Oh mon dieu. Une montagne. Non, pourtant je suis à l'opposé. Ça y ressemble étrangement. Puis non, de toute façon je suis parti dans cette direction là, donc je devrais voir la base avant. Mon bouton shift qui commence à déconner en plus, vous voyez, voilà autre chose. Ah, j'en ai plus. Ça pue du cul, j'en ai plus. Ce sont mes dernières ressources. Ok. Ah, mais le jeu est généreux, le jeu... Enfin, tout est relatif, hein, le jeu est généreux. Je tiens à préciser que je n'ai rien trouvé dans cet épisode qui ne puisse éveiller ma curiosité. Mais le jeu veut que je continue. Bon bah... Continuons. Merci d'avoir regardé cette vidéo les amis, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. Plus pour d'autres aventures, en espérant que le prochain épisode vous plaise. C'était Grand Corps Malade sur la chaîne de Marcus Bonus. Catastrophe hein, catastrophe, catastrophe, catastrophe. Ça y est, on est tout plein. Hop là. Allez viens, c'est bientôt la fin. Hop là. Salut les gens!